Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo spéciale Euro où je vais vous donner mes 8 favoris dans l'ordre croissant, donc du 8e favori au premier favori. Sachant une chose, l'Euro est une compétition qui est beaucoup plus difficile à gagner qu'une Coupe du Monde. Pourquoi ? Car la majorité des pays forts du foot sont en Europe. Deux autres pays sont en Amérique du Sud, ce sont le Brésil et l'Argentine. Le reste des pays qui participent à la Coupe du Monde, justement, tire le niveau vers le bas, le niveau est beaucoup plus dilué et donc une Coupe du Monde, on va dire que à partir des quarts de finale ça devient difficile, avant ça reste très abordable. Alors qu'un Euro c'est plus difficile car le niveau est plus relevé et on peut des fois se faire éliminer dès les phases de groupe. Alors c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais à l'époque par exemple de Platini, c'était 8 équipes, 2 groupes de la mort. C'est vrai par contre que le fait de rajouter sans cesse des pays, ça tire le niveau vers le bas, c'est un peu dommage. Donc en 8e place, ça va surprendre certains d'entre vous, j'ai mis l'Espagne. L'Espagne qui a fait le triplé Euro, Coupe du Monde, Euro, une première dans l'histoire du football, mais qui depuis patine, trop prévisible, la relève manque de coronés si j'utilise leur langage. Et finalement les Asensio, Isco, Alcantara n'ont pas réussi à prendre la relève des Iniesta, Xavi, etc. La seule star de l'équipe c'est Sergio Ramos, mais Ramos malheureusement il arrive en fin de parcours lui aussi, même si ça reste un des top défenseurs actuellement. Et je dis toujours, alors bien sûr il y a des exceptions dans le foot, par exemple l'Argentine de Maradona, mais pour qu'une équipe puisse gagner une compétition internationale, il faut qu'elle ait une colonne vertébrale très solide. Et finalement, lorsqu'on regarde cette Espagne, il n'y a pas de grand buteur, les milieux de terrain c'est trop aléatoire, il y a vraiment Ramos en défense qui est le boss, et De Gea c'est courant alternatif également, donc je ne vois pas l'Espagne faire un grand tournoi. On vient d'apprendre en plus que Luis Enrique revient en fonction alors que son adjoint l'avait remplacé après la perte de sa fille. Sauf que la communication a été très mauvaise. Au lieu de dire que son adjoint prenait l'intérim le temps que Luis Enrique revienne, il l'avait considéré comme un remplaçant à temps plein. Et ces problèmes, plus le niveau de l'Espagne actuellement, me fait dire qu'ils ne feront pas une grande compétition. À la 7e place, l'Italie. Alors l'Italie qui a fait un perfect 10 sur 10. L'Italie qui prend exemple sur la France en faisant jouer une équipe très jeune, mais qui reste selon moi encore trop loin du top niveau. Et même si ce 10 sur 10 en qualification est extraordinaire, parce que c'est la première fois de l'histoire que ça arrive du côté italien, ça ne reflète pas le vrai niveau, le top niveau européen, car le groupe de l'Italie était bien trop faible pour qu'on puisse en tirer des conclusions. Lorsqu'on regarde l'histoire et qu'on regarde le 11 de l'Italie actuellement, le niveau est quand même très faible. Alors par contre, il y a un joueur qu'il faudra suivre, c'est celui que voulait acheter Leonardo cet été, Tonali, souvent comparé à Pirlo en Italie. Lui se considère plutôt comme un Gattuso en plus technique. C'est l'avenir de l'Italie. Et avec un Verratti et un Jorginho au milieu, j'avoue que ça a de la gueule. Alors après, les Italiens n'ont pas fait le dernier mondial, mais ça reste quand même une équipe très difficile à jouer. On se rappelle de l'Euro contre l'Espagne où les Espagnols étaient archi favoris. Et c'est finalement les Italiens de Conte qui avaient pris le meilleur et qui avaient éliminé les Espagnols. Donc ça reste une formation très difficile à sortir, mais je ne les vois pas gagner cet Euro tout de même. À la 6e place, pareil, une formation historique, l'Allemagne qui est en plein renouvellement comme l'Espagne. La période post-Coupe du Monde leur fait mal. La transition des joueurs champions du monde avec la nouvelle génération a du mal à prendre. Joachim Löw qui se prive de stars comme Boateng et Hummels, ça fait débat. La nouvelle génération, à l'instar de l'Espagne, qui a du mal à prendre ses responsabilités, à part Gnabry, l'attaquant du Bayern Munich. Cependant, il faudra quand même se méfier des Allemands qui, sur des compétitions internationales sur les 20 dernières années, ont toujours été en demi-finale quasiment, sauf à la dernière Coupe du Monde où ils ont été éliminés en phase de poule. Ça avait d'ailleurs été un séisme. Voilà, les Allemands, je les vois faire quart de finale, mais pas mieux, parce que pour moi, il y a beaucoup plus de formations solides que les Allemands. Cinquième de ce classement, ils ont joué la Ligue des Nations, ils étaient en finale, ils ont un possible ballon d'or dans leur rang. Je parle évidemment des Pays-Bas de Van Dijk, qui est une formation pareille en plein renouvellement, mais qui avec Koeman fait un boulot formidable. Ils ont énormément progressé. Sur le papier, c'est très joli. J'adore leur défense centrale qui est sans doute la meilleure au monde, De Ligt, Van Dijk. Ils ont le maître à jouer au milieu de terrain, De Jong.
Ils ont de paille en attaque, mais pour moi, il leur manque deux choses. Il leur manque un gardien et un véritable buteur. Dans le passé, les Hollandais ont toujours eu des grandes stars en attaque. Ça peut être Van Nistelrooy, ça peut être Kluivert, Van Basten, Cruyff et tout ça. Et je trouve que justement, l'attaque des Pays-Bas, c'est le point noir de cette équipe. Ryan Babel et consorts, c'est trop faible. Et Depay, je ne le vois pas encore assez fort pour porter son équipe nationale vers le titre final. Donc c'est pour ça que je classe les Pays-Bas 5e favori. Quatrième, le Portugal, tenant du titre, Cristiano Ronaldo. Il aura donc 35 ans, il arrive lui aussi sur la fin. C'est d'ailleurs peut-être sa dernière compétition internationale. Je vois pas le Portugal faire le doublé. C'est déjà un exploit qu'ils aient gagné l'Euro la dernière fois. Faut rappeler qu'ils étaient 3e du groupe, qu'ils n'ont pas gagné un match en phase de poule. Et finalement, ça a été une équipe très chiante à jouer. Et le Portugal, si je devais faire une comparaison, ça me fait penser, si vous voulez, aux équipes italiennes des années 90-2000, c'est-à-dire jamais spectaculaire, toujours bien placé, avec une star qui est Cristiano Ronaldo, qui par contre, contrairement aux années précédentes, est selon moi en attaque beaucoup plus entouré qu'auparavant. On peut penser à Joao Félix et surtout à Bernardo Silva. Le Portugal qui aura une carte à jouer, milieu de terrain solide, attaque plus que crédible. La défense, on sait qu'avec Fernando Santos, ça tient la route. Donc le Portugal sera une équipe qui peut ressembler un peu à la France et qui sera très difficile à sortir, mais pour moi, ils ne pourront pas faire un deuxième tournoi comme ils l'ont fait en 2016, qui relève du miracle. Troisième de ce classement, j'ai mis l'Angleterre. L'Angleterre qui, à l'instar de l'équipe de France, possède une génération hors du commun. Et est-ce qu'on ne peut carrément pas dire qu'ils possèdent le meilleur trio offensif du monde ? Sterling, Sancho, Kane. Sur le papier, je vois pas beaucoup mieux actuellement dans le monde. Southgate qui fait un boulot formidable, il les a amenés en demi-finale de la Coupe du Monde, c'était pas arrivé depuis des années, demi-finale de la Ligue des Nations. Alors ils ont toujours du mal à faire ce dernier pas pour finalement pour gagner un trophée. Ils ont souvent des bonnes équipes, ils ont d'ailleurs à un moment eu pour moi la meilleure équipe de l'histoire et qui était largement favori en Coupe du Monde, à l'époque des Rio Ferdinand, John Terry, Lampard, Gerard Scholes, Michael Owen, Rooney, Beckham et tout ça. Ils avaient une équipe abusée, ils n'ont pas réussi à gagner. Donc c'est vrai que l'Angleterre a souvent une très belle équipe sur le papier, mais n'arrive jamais à franchir le pas pour gagner une compétition internationale, hormis 66 compétitions qui étaient dans leur pays. Mais cette fois, j'ai l'impression qu'on peut observer une certaine progression chez les Anglais. Cette demi-finale en Coupe du Monde en est le meilleur exemple. Et je pense que cette année, ils peuvent viser le dernier carré à l'Euro et pourquoi pas gagner le titre. La Belgique deuxième, génération dorée qui arrive à maturité, qui selon les dires d'Eden Hazard, en plus maintenant une mentalité de winner, ce qui manquait selon lui en 2018. C'était l'équipe la plus flamboyante lors de ce mondial. Ils sont tombés contre une formation bloc bas qui laissait très peu d'espace, qui était la France. C'est une équipe qui, je disais, arrive à maturité et qui pour le coup possède, comme je le disais en début de vidéo, une colonne vertébrale ultra solide. Déjà Courtois, quoi qu'on dise, du côté du Real, ça reste un excellent gardien. Milieu de terrain, t'as De Bruyne qui est la plaque tournante de cette équipe. T'as Hazard et en pointe, t'as Lukaku. Par contre, il est vrai que cette équipe repose énormément sur Kevin De Bruyne, qui est de plus en plus blessé. Évidemment que le niveau de la Belgique dépendra aussi du niveau de ces deux stars que sont Eden Hazard et Kevin De Bruyne. On peut se réjouir pour les Belges qu'Eden Hazard ait signé au Real Madrid. Ça va lui apporter justement ce côté bosseur qui lui manquait à Chelsea. Et la Belgique qui fait selon moi partie des deux immenses favoris pour cet Euro 2020. Et enfin, vous l'aurez donc compris par déduction, oui, pour moi, c'est la France qui est l'immense favori de cette compétition. Pourquoi ? Parce que déjà, ils sont champions du monde. Quand tu es champion du monde et que tu termines premier de tes qualifications, comment ne pas être favori pour la compétition internationale qui suit ? Souvent, ça arrive dans l'histoire que lorsqu'une équipe remporte une compétition internationale, elle reste sur sa lancée 2 ans plus tard. On l'a vu, par exemple, pour la France en 98. On l'a aussi vu en 84, lorsque la France gagne l'Euro, ils vont en suivant en demi-finale de Coupe du Monde. Et je pense que la France ne fera pas exception à cette règle et qu'elle sera très très bien placée pour remporter ce tournoi. Par contre, il y a un risque pour Deschamps. Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire comme son mentor Aimé Jacquet, partir au sommet du monde? Là, il prend un risque d'un accident de parcours et de perdre prématurément dans une compétition, ce qui viendrait peut-être ternir son image de winner. Mais avec la génération que possède l'équipe de France, équipe qui est doublée à chaque poste par une équipe talentueuse comme jamais,
avec des stars comme Griezmann et Mbappé, j'ai du mal à imaginer la France perdre avec Deschamps. Ça joue très mal par moment, mais c'est très solide. Et là, si on doit me dire une équipe qui actuellement bat l'équipe de France, à part la Belgique, j'en vois aucune. Parce que si la France met son milieu de terrain ultra défensif, Pogba, Matuidi, Kanté, plus la défense à 4 derrière et Lloris, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont les mettre en danger. Donc voilà, c'est la méthode Deschamps, c'est peu spectaculaire, c'est une progression depuis qu'il est en place en équipe de France, et c'est surtout un titre en 2018. Et la France, pas spectaculaire, mais efficace, c'est le pragmatisme italien de Deschamps, et Deschamps qui pourrait marquer l'histoire de son sport une nouvelle fois, en étant peut-être, alors j'ai pas la stat, vous me le direz dans les commentaires, en étant le premier joueur entraîneur à gagner l'Euro et la Coupe du Monde en tant que joueur et donc sélectionneur. Voilà les amis pour ce classement des 8 favoris pour l'Euro 2020. Mettez-moi votre classement dans les commentaires, votre top 3 ou carrément le top 8 comme j'ai fait. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao les amis.